les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 4 juillet 2012. Avec aujourd'hui, donc en l'absence des investisseurs américains, puisque le 4 juillet est un jour férié donc aux US, eh bien nous avons eu une petite séance ici de stabilisation avec une ouverture en légère baisse donc qui s'est faite à 3263,32. Nous avons marqué un point bas à 3245,42 avant de clôturer encore une fois sur le point haut à 3267,75 points. Le CAC 40 perd 0,11% sur cette séance, un peu plus de 3 points perdus par rapport au cours de clôture. Bon, c'est anecdotique. On est sur un résultat en clôture qui se fait sur une certaine stabilité. Et donc, ce mouvement ici, qui, comme je vous le disais, démontrait des premiers signes d'affaiblissement, et qui vient ici complètement s'affaiblir, hein, en préservant toutefois ce fameux support que je vous citais comme assez important. Des 3246 points, puisque vous voyez qu'avec un support théorique à 3246 points et un point bas à 3245,42, on peut vraiment considérer que c'est sur ce support que sont venus s'appuyer les points bas de la séance. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc un stochastique qui est en phase de surachat, qui est en train de plafonner maintenant. On va attendre la ligne de signal pour pouvoir, pourquoi pas, préparer un signal de retournement. Le RSI, quant à lui, s'approche de sa zone de surachat sans pour autant y rentrer actuellement. Le MACD toujours en évolution positive, mais on commence à percevoir ici la baisse de la dynamique avec, vous voyez, une progression au niveau des histogrammes qui se fait très, très violemment au début et puis qui commence à ralentir ici. Alors au niveau de l'amplitude, voilà, vous voyez que ça paraît grand hein, si on reste sur une échelle avec très peu de cotation. Par contre, dès qu'on élargit un petit peu, on a des histogrammes hein, qui montent au-delà de 50 alors qu'on est à 26 aujourd'hui. Alors la valeur n'est purement indicative hein, ça nous donne une échelle par rapport à ce qu'on a d'habitude. Donc voilà, sur les là on est ici à 26. Vous voyez qu'on a eu des fortes hausses comme ça, où on était ici à 32 par exemple, hein, où on a eu une grosse phase de hausse avant le retournement. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'ici au niveau de l'histogramme du MACD, on peut encore avoir une continuité haussière. Donc on a vraiment que le stochastique qui est en surachat. L'histogramme du MACD, lui, nous donne encore un petit peu de possibilités haussières. Par contre, au niveau des volumes, on a clairement un affaiblissement. Donc vous voyez, c'est assez net hein, si on compare, je dirais, les volumes par rapport aux bougies. On a clairement une baisse ici du volume hein, puisque là, alors l'histogramme sera rouge, mais c'est purement anecdotique hein. Je vous rappelle qu'on a perdu à peine que 3 points. Il aurait été vert, que ça aurait été exactement la même chose, mais on a vraiment une perte de dynamique ici sur cette phase. D'accord, qui se traduit par les volumes qui sont aussi, et bien entendu, impactés par l'absence des investisseurs américains. Donc, on a clairement une phase, vous voyez que les volumes ici, on avait une volatilité, hein, on voit bien sur la volatilité aussi, hein, il est rare que sur la volatilité, pareil, hein, on a vraiment cette baisse, et par contre, on voit que la moyenne mobile, hein, c'est une moyenne mobile appliquée à l'indicateur de volatilité, qui est en baisse, donc ça irait plutôt dans le sens d'une stabilisation des marchés. En général, quand la moyenne mobile comme ça de la volatilité baisse, quand on arrive aux alentours de 1, hein, entre 1 et 2, on est sur des phases de marché normales, avec une volatilité qui a tendance à se concentrer, et donc en général ceci annonce des phases de hausse, puisqu'en général la volatilité se fait sur des phases de baisse hein, plutôt que sur les phases de hausse. Donc là, le fait que la volatilité baisse irait plutôt dans le sens d'une continuité haussière. Alors, si on synthétise tout ça, bon, pas grand chose qui s'est passé aujourd'hui. Donc on est revenu ici au contact de la bande de Bollinger. Je vous parlerai tout à l'heure de l'étude statistique que j'ai faite durant la nuit. Bon, c'est une étude que j'ai fait rapidement, hein, puisqu'on m'a
posait beaucoup de questions sur les hors-bol. Donc c'est quelque chose que je me suis appuyé sur un backtest très rapide à faire qui n'a que très peu de détails. Et donc je vous demanderai de ne pas, même si la probabilité est forte, hein, puisqu'on est à 77% de probabilité, je vous demanderai de ne pas non plus la surinterpréter, puisque nous n'avons que 18 occurrences. Alors une occurrence, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un cas. Ce que j'ai backtesté, c'est tout simplement une bougie dont le plus bas de la bougie ici se situe au-dessus de la bande de Bollinger supérieure. Et donc ce qui nous donne une totale hors-bol qui est une phase exceptionnelle. Alors exceptionnelle à tous les titres, puisque j'ai backtesté cette zone sur une période de 20 ans. Et sur 20 ans, nous n'avons que 18 cas, d'accord? C'est-à-dire 18, nous n'avons eu que 18 bougies qui se trouvaient au-dessus et entièrement de la bolle supérieure. Donc dans ces 18 cas, on a effectivement 77% de cas qui, au bout de la 7e bougie, marquaient une phase de baisse assez prononcée, puisqu'on a un écart moyen de 95 points de mémoire. Mais bon, le fait que nous ayons peu d'occurrences comme ceci nous montre que, je veux dire, pour comparer, c'est facile d'avoir 100% si on n'a que 5 cas. Voilà. Donc plus le nombre d'occurrences va être faible, plus l'écart qui sera induit par un mouvement qui ira à l'inverse de la probabilité, eh bien, peut influencer le résultat global. Donc c'est très important de tenir compte de ça et de faire attention à ce genre de statistiques. Hein. Une statistique à 100%, c'est facile hein, si on a deux cas, mais par contre c'est beaucoup moins facile si on en a 200. Donc pour revenir à nos moutons, donc nous avons ici une réintégration dans la bande de Bollinger, donc qui traduit un retour, je dirais, à la phase plutôt normale du mouvement, puisque même au niveau des signaux d'exagération que je vous montrais, on a un retour ici quasiment sur le niveau de la Bollinger, donc dans la zone normale. Donc vous voyez que on est légèrement perdant sur ce retour ici, c'est dire si la pression haussière ici est relativement forte. Et donc nous avons aussi un début d'affaiblissement, comme je le disais. Alors on a toujours des plus bas de plus en plus haut, on ne vient pas marquer un nouveau plus haut aujourd'hui, et je vous le montrerai tout à l'heure, je commence à avoir des signes d'une possible consolidation. Donc au niveau de cette zone ici, tant que l'on reste, comme je vous disais hier, au-dessus de cette zone des 3246, on est potentiellement sur une phase de stabilisation avec un possible test court terme des 3292 points. Donc pour ceux qui veulent, oui, alors pour ceux qui sont intéressés donc par les signaux, voici donc le graphe, hein, le graphe secondaire que j'utilise pour mon trading perso. Donc là, ici, on a clairement une sortie en phase d'exagération, on n'a rien réintégré du tout sur la dernière séance, et vous voyez que l'on réintègre ici quasiment sur la valeur de la bolle la zone blanche. Donc vous voyez que sur cette zone, si on vient vendre par exemple au premier contact ici vers 3240 et qu'on réintègre ici à 3260, on a perdu 20 points. Donc c'est ce que je disais récemment, hein, c'est les exagérations, c'est très bien, mais il y a quand même de l'échec. Par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons ici un signal de couverture. Donc signal de couverture dont le backtest, hein, là où nous avons les achats-ventes qui sont au-dessus, où on sait qu'on a une forte probabilité. Donc nous avons ici un signal qui nous indique qu'une consolidation est probable. Donc si nous revenons au graphe principal, voilà. Comment jouer cette séance en fonction de tout ça? Bon, on voit qu'on a un retour d'exagération, donc qui traduit une évolution plus, je dirais, à la normale, mais qui traduit aussi la baisse de cette pression haussière qui nous a fait sortir de cette phase de normalité. Donc ça, c'est assez important. Donc on a eu le premier mouvement ici avec une forte dynamique, et là on commence à se stabiliser. Alors nous avons toujours ici un objectif à 3292 qui sera, à mon sens, à moins d'une grosse nouvelle, on peut avoir des grosses nouvelles de ce type demain avec la Banque Centrale Européenne, mais les 3292, à mon sens, devraient caper ici la phase de hausse qui, on le voit, est en temps de perte de dynamique. Une cassure, donc il y a un passage sous les 3246 points, sonnerait le début de la consolidation. Donc on ne sait pas encore si le point haut de la séance d'hier, à savoir la clôture, sera un point haut significatif, donc il est trop tôt pour tracer les Fibonacci, mais sachez qu'en cas de dépassement ici de ces 3246 points, on viendrait ici rompre la dynamique de la loi de Dow qui dit que normalement les plus bas doivent toujours être de plus en plus haut. C'est le plus important au niveau de la tendance haussière, hein, c'est-à-dire la première importance, c'est les plus bas qui doivent être de plus en plus haut, et ensuite, par ordre d'importance décroissant, donc les plus hauts toujours de plus en plus haut, mais c'est secondaire, hein, une tendance haussière se mesure
en premier par ses plus bas. C'est pour ça qu'on trace d'abord le support sur une phase haussière. Donc là, le fait de venir casser donc ce point et certainement donc ce point-ci, hein, je rappelle le plus bas d'hier, 3241,93, donc on retiendra 3242 et 46, le fait de casser cette zone briserait cette dynamique. Donc ici, on aurait une phase de consolidation qui pourrait venir se mettre en place. Donc en phase de consolidation, on a un premier objectif ici qui se situe à 3210, et on a un deuxième objectif en cas de phase de consolidation prononcée qui se situe à 3174, puis 3152, enfin 50-60 pour les prochains jours, hein, puisque la consolidation ne se fera pas forcément, en un jour. En ce qui concerne les statistiques liées à la hors-bol, donc si vous regardez bien le tableau que j'ai édité, suite à la hors-bol, donc le meilleur résultat se fait à la, après la sixième, donc à la septième bougie après la hors-bol. Et il est écrit aussi qu'à la première bougie, nous avons souvent, en cas de prise de position à l'ouverture de la première bougie, une perte. Et bien là, c'est tout à fait le cas, puisque vous voyez, on est sur une bougie qui clôture au-dessus de l'ouverture, hein, donc elle est verte. Donc si on avait vendu ici à l'ouverture, à savoir 3263, et qu'on rachète à 3267, on est bien perdant. Donc là, pour l'instant, on est totalement dans la statistique, avec donc une possibilité de baisse qui se fera sur les 6 prochaines bougies. Ça, c'est la statistique qui le dit. Je vous rappelle, peu d'occurrence, donc attention, on peut très bien tester ce genre de signal pour s'amuser avec une exposition très réduite, hein, à partir du moment où on ne fait pas trop courir un risque trop grand en portefeuille, ce n'est pas gênant. Donc pour jouer cette séance, donc chute sous les 3240 points, on va arrondir, début d'une phase de consolidation qui pourrait revenir ici sur la bande bleue. Tant que nous sommes ici entre 3245 et 3292, phase de stabilisation avec validation donc d'un point haut sur la résistance majeure des 3292, cassure à la hausse des 3292 nous donnerait une réactivation de la dynamique haussière avec inscription d'un nouveau plus haut et donc reprise de cette dynamique. Voilà comment on peut interpréter donc cette analyse du jour. Et donc aujourd'hui c'est M de Lobel qui a gagné pardon, au jeu du fixing. Donc bravo à lui. Et puis aussi pour vous dire que j'avais oublié de vous signaler un signal haussier qui a été gagnant sur le CAC. Hein, ça fait 2-3 analyses que j'oublie de vous le signaler. Donc c'est encore un signal de trading qui est gagnant qui a été donné au niveau des analyses écrites du CAC 40. Voilà donc pour cette analyse. Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trades et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.